La maison, elle est plus grande que moi. What the fuck, mec? Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière et j'espère qu'elle va vous plaire. Pour le coup, on va réitérer un concept que j'avais déjà fait, c'est jouer à Fortnite sur un écran de cinéma. Donc là, les gars, c'est juste insane. En fait, on m'a envoyé un carton. Dans ce carton, il y avait un sac de transport et dans ce sac de transport, il y avait un projecteur. Mais attention les potes, pas n'importe quel projecteur. Ça, c'est un projecteur qui réceptionne du 1080p et qui renvoie du 1080p. Et à une distance de 9 mètres, on peut avoir 300 pouces. C'est juste insane les gars, imaginez 300 pouces. Hein. Je parle pas en centimètres, mais en pouces. Donc c'est juste insane. Niveau projecteur, je m'y connais un peu. Là, on m'avait envoyé un Artly, mais celui-là, déjà, il coûtait à peu près 180€. Mais on était sur du 1080p en réception et il envoyait que du 720p. Déjà, à l'époque, j'étais bluffé. Et là, je peux vous dire que ça fait plus d'une semaine que j'ai et que j'ai pu le tester. Donc, je vous en parle tout de suite, je le déballe, je vous parle de ses specs, etc. Et juste après, on va jouer dessus avec Fortnite. Pour commencer, merci à Vankyo qui m'a envoyé leur projecteur, le V600. Du coup, vous l'aurez compris, à l'intérieur, on a un sac de transport, un câble d'alimentation, un câble HDMI, logique, et on a un câble 3-en-1 AV. On a aussi une télécommande, les piles ne sont pas fournies, ainsi qu'un manuel d'utilisation, mais aussi un chiffon de nettoyage et des cotons-tiges. Niveau design et matériaux, on est sur du plastique noir et gris. Sur le dessus, on a un effet de métal brossé. En parlant du dessus, on y retrouve 9 boutons pour pouvoir l'utiliser sans télécommande, ainsi que 2 molettes, une pour régler le focus et l'autre pour régler l'inclinaison. À l'avant, on a la lentille de projection, un capteur pour la télécommande, mais aussi un pied sur vis pour pouvoir régler la hauteur. À l'arrière, on a 2 entrées HDMI, 2 entrées USB, un port VGA et un haut-parleur ainsi qu'un capteur pour la télécommande. Sur le côté gauche, on a une entrée pour des cartes SD et une sortie casque AV et la plus grosse sortie de ventilation. Niveau performance, le projecteur réceptionne du 1080p et projette du 1080p, contrairement à d'autres modèles qui réceptionnent du 1080p mais qui rejettent seulement du 720p. Sur ce modèle, on a aussi plus de 6200 lumens, la taille d'écran minimum est de 50 pouces. Si le projecteur est placé à plus de 9 mètres, il atteindra alors les 300 pouces. Dans mes tests, le projecteur était à 4 mètres de distance. Plus gros point fort, c'est la projection en 1080p, on a une très bonne qualité et de très bonnes couleurs. Son plus gros point faible pour moi, c'est les ventilos qui font pas mal de bruit. Avant de passer à ce que vous attendez tous, le test sur Fortnite, alors déjà pour regarder des films et des animés, c'est juste le feu. Franchement, on a vraiment cette impression d'être dans une salle de cinéma, surtout quand on est assez proche du projecteur. Maintenant, je suis moins fan pour regarder des séries. Franchement, je préfère regarder des séries sur ma télé. J'ai joué vite fait à Need for Speed et c'était pas injouable, mais limite, franchement, je pense que vraiment pour jouer, le mieux c'est d'avoir des écrans PC pour regarder ces séries, la télé. Et si on peut, pour regarder des films animés, le mieux c'est d'avoir un projecteur. Franchement, c'est juste le feu. Pour le gaming, ça va être pas mal compliqué parce que faut savoir c'est du 1080p mais 30 fps, donc c'est pas vraiment fait pour jouer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout installer et on se retrouve tout de suite sur Fortnite. Petite chose que j'allais oublier, si jamais vous kiffez le concept, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à bombarder la barre de like si jamais vous kiffez ce style de vidéo. Je suis sûr qu'à 90% les potes, on va pas faire top 1 cette vidéo. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est on va vite fait tester en créatif ce que ça donne. Ensuite je vais essayer d'aller en solo, mais vous le savez maintenant avec le MMR, franchement, il y a zéro fun, je vais tomber que contre des gars de mon level. Donc on va essayer de se lancer une petite solo, même si pour moi ça va être injouable, je pense. Donc on va en gros jouer à Fortnite sur un écran géant. Franchement, dites-vous, d'habitude j'ai l'habitude de jouer sur un 22 pouces et là je vais passer sur un 200 pouces. Genre, en gros, quand je joue sur mon écran, là la taille de l'écran il fait une main et demie. Et là les potes, sur mon écran où je vais jouer, et là l'écran en hauteur il fait plus de 7 fois ma main. Donc c'est juste n'importe quoi. Donc les gars, c'est parti. Je vais tester déjà le mode créatif. Oh, j'ai réussi. Oh, c'est... Oh là là les gars. Oh là, oh, j'ai raté le 90. Oh la sensation les gars. Mais les gars, ça va être trop dur la sensi. J'ai l'impression que c'est plus la même. C'est horrible, genre ça bouge trop. Et là, oh là, pour faire des double edits. OMG, j'ai réussi une double edit. Attention. Oh, j'ai réussi. Oh,
Oh les gars. Oh ça va être compliqué les potes hein. J'ai sauté à retail. Je sais pas si y aura beaucoup. Eh les gars, j'ai l'impression que la ville elle est devant moi. Genre je vais vraiment y habiter et tout genre. Les gars, les maisons elles font ma taille genre. Oh, c'est trop stressant. Ce spawn les gars par contre il est trop fort. Vous spawnez là en tournoi les potes. Là vous avez 200 shield. Et juste ici dans la rivière vous avez un coffre. Là vous avez un coffre ici aussi sur la montagne. Et là vous avez plein de métal à farmer. Et sur la route vous avez métal, vous avez bois, pierre. À la finale vous retrouvez full pierre, full truc. D'ailleurs là je suis pas ouf niveau matériaux. Ah je vois des mecs se battre. Attends je peux les faire tomber là. J'en ai tué un. Ah il va tomber dans l'eau. Oh j'en ai tué deux. Let's go. Oh les gars. Le QI les gars. Oh on a fait deux kills j'y crois pas. Bon là on a réussi à faire des kills grâce à notre QI. Mais en fait ce qui me fait peur c'est quand je vais devoir faire appel à mon shoot. Que ce soit aux pompes à l'air. Oui ah je vois un gars là-bas. J'avoue que je le vois assez flou quand même. J'ai réussi à fad les gars. Là ça va être compliqué quand tu y es. Ça va être compliqué. J'ai galéré à fad les potes. Ah oh, c'est compliqué de construire tout en fait. Ah je suis perdu les gars, je vais mourir. Oh les gars c'est trop dur. Il y a un autre gars qui vient s'en mêler en plus. A few moments later. Bah je me suis fait détruire les potes. Ah je vais réessayer une autre en solo, c'est trop dur les potes. Oh ça me fume, j'étais AFK, je reviens. Ouh oh, je sais pas comment je m'en sors là. Je sais pas comment je m'en sors les potes. Je voulais juste essayer une dernière petite solo quand même en fait. Le premier ça m'a fumé, j'étais AFK, je suis revenu. Et là boum, un gars au-dessus de moi. La caméra qui filme mon écran de projection là, elle a plus trop de batterie. Donc les gars, soyez pas choqués si on termine la vidéo juste sur bah, la cam normale et plus de batterie. De toute façon, c'est la dernière game que je fais. Mais franchement, l'écran géant, en vrai, c'est sympa pour regarder, comme je l'ai dit, bah, des films et des animés. Après, niveau série et niveau jeu, bah, je préfère avoir une télé pour les séries et pour les jeux un écran d'ordi. Je pense que les gars, je pourrais jouer toute la journée sur l'écran géant, que je m'habituerai toujours pas à cette grandeur, les gars. Faut se dire, no joke, là, la maison, elle est plus grande que moi. Attendez, j'espère que je vais pas mourir, je vais vous montrer. La maison, elle est plus grande que moi. What the fuck, mec. Je suis un malade de m'être stoppé à Salty comme ça. À tout moment, il y avait un gars, il était là et il mettait son meilleur laser. Ah, mais c'est insane quand même, les potes. Vous avez vu, la maison, elle est géante, genre. Même le perso, limite, bah, elle fait ma taille, genre, limite, le perso. Moi, j'abuse un peu, mais... On va aller laisser se battre. Hein. Ah, ça y est, il y en a un qui est mort. Je suis un V2 les gars. Et par contre les deux ont des barrettes hein. Là attends je vais me retrouver au milieu de tout le monde en vrai. Je vais essayer de passer par la gauche là les gars. En vrai non je pense pas faire top 1. Ayez zéro espoir les potes. Je vais me faire détruire les gars. Les gars ils savent jouer, j'ai vu qu'ils faisaient des... Ils remplaçaient des murs, ils sont tous les deux aux barrettes. Oh les gars imaginez j'arrive à faire top 1 sur l'écran géant. Avec mon niveau exécrable sur l'écran genre. Oh les gars je stresse. Oh les gars. Ah
Ah, il a un grappin, les gars. C'est perdu. Il a un grappin, les potes. Ok. Ah, je suis mort. Allez, pas, ça va être compliqué, hein. Ah, il m'a tué. Bon, franchement, les gars, je peux vraiment pas faire mieux. C'est vraiment injouable, en vrai. Je peux vraiment pas faire mieux. Vraiment, je suis désolé, les potes de Paris, si avoir fait le top 1, mais il a pris la zone, en vrai, il a bien joué. Ah non, franchement, je peux pas faire mieux, les potes. Désolé, j'aurais fait top 2. Bon, on aura fait seulement top 2, dommage. Enfin, comme je dis, je pouvais pas faire plus, vraiment, l'écran était géant. On aurait pu réussir l'arnaque du top 1, mais bon, ça s'est pas passé. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo où je faisais pas top 1. Voilà, c'est arrivé. Et du coup, moi, je pense que pour jouer au jeu, le mieux, c'est de jouer sur un écran PC. Pas plus que 24 pouces. Regarder ces séries, le mieux, c'est sur une télé. Et pour les animés et les films, franchement, regarder sur un projecteur, c'est franchement la sensation, c'est comme si t'étais au cinéma et c'est un régal, franchement, c'est très appréciable. Une vidéo qui sort de l'ordinaire, en tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un maximum de pouces bleus. En tout cas, moi les potes, je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo, comme j'ai dit, vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos et moi je vous dis à plus les potes.